Hey, salut tout le monde, et on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures d'Elena sur Dragon Age Inquisition et la suite de l'exploration de beaux secrets. Les amis, j'espère que vous allez bien. Eh ben c'est tout de suite, on y va. Alors, on venait de fermer une faille par là. Voilà, et puis ici il y a toujours le dragon qui va nous embêter, hein. Puis on a aperçu une grotte, donc allons-y, allons voir la grotte. Elle est juste là, la grotte, si ça se trouve c'est juste une toute petite grotte. Ah. Ah, alimentée en énergie. Avant d'y aller, nous avons un point de capacité, c'est vrai. Alors, où est-ce qu'on la met? Où est-ce qu'on met ça? On commence à améliorer nos trucs ou pas? Alors, tir assommant, les ennemis touchés par un tir puissant sont assommés pendant un court instant par la force de l'impact. Ouais. Tir incapacitant, les ennemis touchés par tir puissant sont immobilisés. Durée de l'entrave, 5 secondes. Assommé pendant un court instant par la force de l'impact. Durée d'endormissement, 20 secondes. Ça a l'air pas mal, ça, non? On va se mettre quoi? Ouais. Ouais, on va améliorer ça. Non, lance de l'archi-longue. Alors, longue portée transperce désormais tous les ennemis sur son passage, infligeant des dégâts supplémentaires à chaque nouvelle cible qu'elle touche. Ouais. Longue portée inflige désormais encore plus de dégâts à des distances très élevées. Pour une chute de dégâts, 900% à 25 mètres. On fait encore plus mal? Hey! Réaction en chaîne, des éclats d'obus remplissent l'air et entraînent des réactions dévastatrices. Plus il y a d'ennemis à proximité, plus les réactions infligent de dégâts, d'accord? Onde de choc, tir détonant repousse désormais votre cible principale de plusieurs mètres en arrière au moment de l'explosion! Oh! Les trucs pas mal, franchement, hein. Tac. On va prendre l'œil d'aigle. Ouais, l'œil d'aigle. On va pouvoir faire mal à distance. Ok. Tu chopes une torche, toi, s'il te plaît. Allez, les gars. Alors, voilà, là-dedans. Tiens, j'en prends une aussi. Voilà. Tiens, Cassandra. Cassandra, tu vas en prendre une aussi. Voilà. Varric, tu vas en prendre une aussi. Alors c'est risqué, hein. Tout le monde a une torche, on va mieux voir, mais s'il y a des ennemis, on est mal. On est mal! Ah oui, ah oui. Ah là, on y voit quand même mieux. Y a pas photo. Oh, les gens pipi, les gens pipi. Hop. Hop. Ah, on entend toujours le dragon qui s'énerve. Ah, une rune. Alors, j'ai obtenu rune de foudre. Me pousse pas, Varric. Chiant, hein. Ok, bah y'a rien d'autre, hein. Ouais. Ouais, bah, c'est tout. Allez, on peut retirer. La torche. Voilà, toi aussi. Toi aussi.
Voilà, vous avez plus de torches. Bon, allons voir si on peut visiter le château. Hein? Qu'est-ce que c'est en voyant? Pouvons-nous visiter le château? Peut-être pas. Ah bah il est où? Ah bah il est où le dragon? Il s'est tiré? Il est parti? Oh! On va pouvoir visiter alors. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du lotus sanguin, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi ça? Rayon givré. Mais il est où? Ah! On l'entend! Il est parti, l'animal. Ah non! Il nous voit. Il nous a aggro! On se tire! Ah! Oh la vache! On se tire! On se tire! On se tire! Allez! Suivez-toi! Aïe! Allez! Cassos! J'ai pas envie de l'agresser maintenant! On risque de passer du temps, quoi. Il est là-bas, il veut se battre. Il veut se battre, l'animal. Ouais. Tu veux pas nous laisser nous promener? Non, on va pas y aller. Parce que j'attends que mes poteaux aient au moins une compétence, hein. Donc on a dit niveau 16, hein. Regardez, moi j'ai mon truc au maxi, mais ça va pas suffire. Alors. On va lui foutre la paix. On va aller ici plutôt. Ici, j'ai l'abîme. Hein. Tac. Tac. Voilà. Voilà, on a failli se faire défoncer par Rien à un signaler, nobles dragon. dames. Ouais, rien à signaler. Allez, réquisition, c'est bon, non? Non, c'est pas bon. Il nous faut du tartan. Ben, on en avait chopé. Ah, d'accord, si tu le dis. Popo, s'il vous plaît. Popo. Voilà, Popo. Tac. Hop. 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 Voilà. Allons-y, allons voir. Ok. Oui, allons voir Hawk. Ah tiens, obsidienne. Attaque. Attaque. Ça c'est cool. C'est cool, on a cueilli de l'obsidienne. Allons voir Hawk. Hawk, on arrive, mec. On arrive. C'est quoi? C'est de l'obsidienne. Je prends. Voilà. Obsidienne, je prends. Ok. Alors, on va aller voir Hawk et son contact. Donc, c'est Stro son contact. Strode. Et t'es où toi? Ah, il est là. Eh mec! Content de vous voir. Je viens d'arriver. Mon Ah, nous contact aussi. chez les gardes devrait être au fond de la grotte. Ah, nous aussi, on vient d'arriver. Allons-y. Ah. Nous aussi, on vient d'arriver. Ouais, on vient d'arriver. Eh, ça fait au moins, hein, ça fait une plombe qu'on est là à visiter mon secret. Ok, on peut discuter. Ok. Allons-y. Ami, t'as un mage, t'as un bâton. Ah bon? Allons-y. D'accord, allons-y. Allez, allons-y.
calmé. J'ai amené l'inquisitrice. Strahd pour vous servir, inquisitrice. Alors, aidez-moi à comprendre, j'ai besoin d'informations. Aidez-moi à comprendre. Presque tous les gardes disparaissent. Et puis je tombe sur un magistère des engeances nommé Corypheus. Vous croyez qu'il pourrait y avoir un lien ? Je crains que oui. Quand mon ami Hawk a éliminé Corypheus, Weishaupt n'a pas tardé à classer l'affaire. Mais un archidémon peut survivre à des blessures normalement mortelles. Et je craignais que ce soit aussi le cas de Corypheus. Mon enquête m'a donné des indices, mais pas de preuves. Et puis, peu de temps après, tous les gardes d'Orlaïs ont commencé à entendre l'appel. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit ? C'était un problème de garde des ombres, et j'étais tenu au secret. Ok, et puis là, donc, c'est fini le secret. L'appel est contrôlé. C'est quoi cet appel ? Ça n'a pas d'importance. L'appel des contrôles ? Vous croyez que Corypheus se sert de cet appel pour contrôler les gardes des ombres ? Pas exactement, votre grâce. L'appel prévient le garde des ombres que sa vie sur cette terre touche à sa fin. Et tous les gardes des ombres d'Orlaïs l'entendent en ce moment. Ils pensent que leur mort est proche. Oui, certainement à cause de Corypheus. Si les gardes meurent, qui enrayera le prochain enclin ? C'est notre plus grande peur. Donc, Corypheus ne les contrôle pas. Il se sert de cet appel pour les manipuler, et ça marche. Alors, mener l'enquête, il peut vraiment faire ça ? Cet appel est réel, ou est-ce que Corypheus a trouvé un moyen de l'imiter ? Je l'ignore. Même en tant que garde de rang, je n'en savais que très peu sur Corypheus. Mais les gardes y croient, eux. Et ils agiront en conséquence. C'est notre seule certitude. Ok. Et vous, êtes-vous touché ? Vous dites que tous les gardes entendent l'appel. Vous aussi ? Hélas, oui. Comme un loup tapis dans l'ombre d'un feu de camp. La bête qui produit ce son ne connaît pas l'amour du Créateur. Et parfois, j'arrive presque à la comprendre. Nous devons découvrir ce que Corypheus a fait et y mettre un terme. Ça ne peut pas continuer. Ouais, comment est-ce possible ? Comment Corypheus peut faire entendre l'appel à tous ses gardes ? Je l'ignore. Nous savons qu'il est dangereux, et c'est à peu près tout. C'est à la fois un magistère et une engeance. Il s'exprime avec la voix de l'enclin, ce qui lui permet d'influencer notre esprit, les gardes étant également liés à l'enclin. C'est de cette façon qu'il a dû créer ce prétendu appel. Les gardes ont peur, les gardes sont des imbéciles. Et... alors, les gardes sont désespérés. Donc les gardes préparent une dernière attaque désespérée contre les engeances ? Les gardes sont les seuls à pouvoir vaincre les archidémons. Sans nous, le prochain enclin anéantira le monde. Le commandeur garde Clarel a parlé de rituels de magie du sang pour empêcher un nouvel enclin avant notre départ. Quand j'ai dénoncé cette idée folle, mes propres camarades s'en sont pris à moi. Des gardes des ombres se réunissent là, à la porte du Ponant. D'accord. Il s'agit d'une ancienne tour des rituels Tevinted. Retrouvez-moi là-bas. Nous devrions y trouver des réponses. Ok. Alors, on peut discuter avec toi, Strahd. Nous devons nous rendre le plus vite possible à la tour des rituels, à la porte du Ponant, votre grâce. Enfin, Strahd. Pas Strahd. Parlez-moi de Clarel. Clarel, c'est bien le commandeur garde. Vous pourriez me parler d'elle ? C'était une garde remarquable. Elle faisait partie de ceux que le roi Kaelan a contactés avant l'enclin. Elle s'en est toujours voulu de ne pas avoir pu s'impliquer plus. Quand l'appel a retenti, Clarel a cessé de nous écouter. Pour elle, le problème ne pouvait être réglé que par la magie. Alors, est-ce que Corypheus la contrôle ? Vous pensez que Corypheus se sert de l'appel pour la contrôler ? Difficile à dire. Moi-même, j'ai entendu les murmures de l'appel, mais c'est juste du bruit, pas de paroles et sûrement pas d'ordre. Quoi qu'il en soit, c'est elle la responsable. Elle est commandeur garde.
Elle devrait se conformer aux ordres de Weishaupt et à rien d'autre. Parlez-moi des gardes. Qu'est-ce que cela fait d'être garde? J'ai du mal à imaginer. Ça fait longtemps que je n'ai rien connu d'autre. C'est toute une vie. On traque les engeances, on les extermine, on veille à ce que personne ne soit au courant de leur présence. Ah, vous saviez pourquoi Iphéus? Iphéus était dans une prison des gardes, non? Vous devez avoir des informations sur lui. Je ne sais pas grand-chose. Et encore, ma relative ancienneté joue en ma faveur. La plupart des gardes n'ont jamais entendu parler de lui. Quand j'ai émis l'hypothèse que l'appel était lié à Corypheus, les mages, gardes des ombres, se sont retournés contre moi. J'ai formé personnellement plusieurs de ces gardes. Si j'avais des informations sur Corypheus, je vous en ferais part, votre grâce. D'accord, il faut que j'y aille. Nous parlerons plus tard. Et toi, où tu discutes? Je sais ce qu'il a dit. J'espère qu'on trouvera des réponses à la porte du Ponant. Quoique je ne suis pas sûr de vouloir les entendre. Je n'ai que trop vu les dégâts de la magie du sang. D'accord. Alors, ah bah tiens, on peut examiner. L'appel. Ok. Rien d'autre. Ah, y'a que des champignons. Y'a que des champignons des tréfonds. Allez. On va les prendre. Voilà. Comme ça. S'il y a un truc qui sonne, on saura qu'il y a un truc. Non, y'a rien. Bon, ok. On se casse alors. S'il y a plus rien. Faut aller à la porte du Ponant maintenant. C'est quoi ça, examiner là? Examiner. Manière des aveugles. Allons-y. Hein? Allons-y. Hey. Allons-y. Ok, bon, écoutez, la quête principale a changé, non? 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 Si? Non? Si? Alors ici, Gilles Abîme. Retrouver le contact de Homo, ça c'est fait. Ok, il faut aller explorer la porte du Ponant. D'accord. Bah tiens, ça tombe bien, il y a Léo de la baie de Lucien à la porte du Ponant. Ouais. On sait pas. La plaine exaltée, non. Tac. Et c'est quoi ça déjà? Trouver Vicinius à Val-Royau. Ah ouais, il y a une quête là. Ah ouais, 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 ouais. Bon alors, comment ça s'appelle déjà? Beau secret, voilà. Donc il nous reste caravane à faire, mais il nous manque un tartan. Ouais. Où est-ce qu'on chope du tartan? Hein? Collection. Alors, les astrariums à beau secret, c'est fait. Les bouteilles, il y en a partout. Site important de beau secret, il nous en manque un. Alors, c'est sûrement l'espèce de petit fort, là, que défend le dragon. Région de beau secret, c'est fait. Les éclats. Il n'y avait pas d'éclats, là? Oui, il n'y avait pas d'éclats. Bon bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, 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 ok, y'a rien d'autre. Donc moi je propose maintenant de retourner Bah Forceless. Allez. Go à Forceless. Eh oui! Eh oui, voilà. Fini. Et puis on va se quitter là, les amis. Donc, dans les prochaines vidéos, je pense qu'on ira d'abord faire un tour à Val-Royau, hein, pour faire la quête là de... Non, journal. Pour faire la quête de l'entourage qui est là. Hein. Ruby sur ongle, donc on va l'activer, comme ça on va s'en rappeler. Et puis après on ira débloquer la porte du Ponant et
On explorera la porte du pendant. Voilà. Hein? Ouais, je pense que c'est bien ça comme programme. Alors, par contre, on va vous quitter là. Comme ça. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Voilà. Alors, merci de m'avoir suivi. Sur ce, je vous dis à plus. Portez-vous bien. Ciao, ciao.